bordel. Arrête ça. Hop, 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 good morning les copains, les copines, bienvenue en cette nouvelle semaine, en ce lundi matin, j'espère que tout va bien de votre côté, bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Laura, on est avec Franck, on est avec Jaja, on a Amor qui est dans le chat, qui est en vacances. Qui est en train de préparer le marathon de New York. On fera une petite cotisation pour lui payer le voyage. On l'inscrira au marathon de New York. Tiens, allez, on va se faire ça. Comme ça, il aura le fer en cow-boy. Ce sera pas mal. Pour être une bonne idée. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Nous, ce week-end, on était en maintenance son. Donc j'espère que ça va. S'il y a des petits problèmes son, n'hésitez pas à nous le dire. Ça a été une sacrée galère. Enfin, voilà. Bref. Bonjour Uluberlu, salut Catlord, Mickaël, Christophe Chris, bienvenue. Bonjour Jérôme, Claude the Joker, BBDD, Quentin, bienvenue à vous. Bonjour à vous Calypso, bonjour à toi. Ben Walk, Mickaël Lambert, bonjour. Jonathan, bonjour à toi. Sacha, bienvenue, bonjour à toi. Comment ça va Xéla, bonjour. Dorian, bonjour à toi. On a aussi Dorian dans le chat. On a la team pratiquement au complet. Il manque Kirikou qui doit faire dodo. Mickaël Alig, merci pour ton sponsor du matin qui fait plaisir. Et merci à tous les sponsors, tous ceux qui soutiennent la chaîne, à tous les abonnés, à tous les non-abonnés, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent. Bref, merci à tous. Je dirai jamais assez. Et on est parti, on va faire comme d'hab, on va se check les petits défis du jour. Bonjour Spawn77, Kaiser, bonjour à toi. Et allez, on va se check les petits défis du jour tranquille. Annesbourg, Armadillo, visité en une heure. Ok, boutique visitée à Tumbleweed, chien caressé, vous pouvez faire suite du camp, ça va très très bien. Des cougars tués, on vous mettra le petit lien dans le chat, il est déjà dans la description de la vidéo pour ceux qui le veulent de suite et pour ceux qui regardent le live en différé. Voilà, les plans de sauge rouge, c'est exactement pareil. Poisson de plus de 5 livres, pêché 1, événement du mode exploration joué 2. Écoutez, aujourd'hui, rien de fou. Ça va bien se passer. Pour les chasseurs de primes, criminels recherchés à West Elizabeth, 2 missions de primes difficiles ou légendaires. 1 et 3. 3 pistés à l'œil de lynx, quoi. Ok. Pour Crips, argent gagné en commerçant, $200. Cadavre en parfait état remis, 6. Et mission de ravitaillement terminée, 2. Pensez qu'encore jusqu'à demain, profitez des ventes de Crips qui rapportent un max de $. Voilà, ou de pognon, ou de flouze, ou de blé, enfin comme tu le veux. Pour Madame Nazar, pour la mère Nazar, fleurs sauvages d'Amérique trouvées, 3 objets de famille, 3 et objets à collectionner récupérés, 6. Ok, et pour Maggie et Marcel, alcool de contrebande vendu, 18 bouteilles intactes, recette spéciale d'alcool de contrebande réalisée, servir d'alcool aux autres joueurs. Et pour la folle dingo, la Madame Mariette, animaux légendaires trouvés grâce à des phéromones, fortifiants d'endurance utilisés, trop chaud ou trop froid, des trucs qui coûtent une fortune, échantillons prélevés sur des animaux de ferme. Et voilà. Hello Farley, bonjour à toi, comment tu vas? Rika, comment ça va? Bonjour, bienvenue. Alors, Uluberlu, je peux vous expliquer comment marchent les... Oui, on peut commencer par ça, je peux le faire. Alors, pour les collections, c'est ultra simple. Au début, c'est très dur à comprendre, mais en fait, c'est ultra simple. Vous voyez, moi, j'ai toutes les collections, elles sont pleines. Elles sont, à part les animaux légendaires, mais tout est prêt. Le truc, il est simple. Il faut que vous ayez, dans chaque collection... L'estampillage, donc c'est la petite pastille blanche en bas de chaque animal, en bas à droite, ok. Pour avoir l'estampillage, le truc, il n'y a pas plus simple, il suffit de faire un échantillon sur chaque animal, enfin sur l'animal qui vous manque, et d'aller le vendre à Ariette. Une fois que l'échantillon est vendu à Ariette, c'est Ariette qui vous estampille l'animal. Une fois que vous avez tous les animaux d'estampillés dans une catégorie, voilà, vous voyez, la catégorie est estampillée, j'ai le petit rond. Et en fait, vous faites carré. Vous voyez en bas de l'écran, en bas à droite, c'est marqué vendre.
Et voilà. Et donc vous allez vous retrouver avec tous les animaux, ils vont rester tels qu'ils sont, sauf qu'il va juste manquer le petit estampillage, donc le petit écusson blanc. Et il faudra juste recommencer à vendre un échantillon de chaque animal à Ariette pour compléter la collection et la vendre. Voilà. Tout simplement. J'espère que vous avez compris que mes explications étaient pas mal. Hein. Et voilà. Au début, nous aussi, on a un peu galéré à comprendre l'histoire. Bien sûr, si vous vendez là comme moi, je suis à 100% sur tout. Si vous vendez la catégorie, il y a juste l'estampillage qui s'efface. Ils vont rester à 100%. Vous n'avez plus besoin de les photographier ou quoi que ce soit. Juste l'estampillage. Et pareil, pour vendre une catégorie, on n'est pas obligé d'avoir tous les animaux à 100%. Juste un échantillon de chaque animal, ça suffit pour avoir une catégorie. Voilà, tout simplement. Moi, le 100%, c'est juste pour le beau jeu, quoi. Et voilà. Et ben on est parti, on va commencer à se faire un petit ravito, tranquillou. Glamrock. Allez, petit ravitaillement, on est parti. On va vous mettre, je vais vous mettre les petits liens qui vont bien dans le chat. I know. Don't ask me what he wants him for. Best just to keep him happy, I reckon. I mean, we need. Ça c'est pour les cougars. I'm sure you can handle that, right? Enfin, c'est un spot parmi tant d'autres, mais celui-là est pas mal pour en avoir deux rapidement. Et ça, c'est pour la sauge rouge. Malgus, bonjour à toi. Bienvenue. Ah, chasser un canard. Parfait. Une fois que tu as le point jaune à mort, la phéromone, il faut l'avoir. En fait, la phéromone, elle sert, parce qu'on me la pose beaucoup cette question, quand vous arrivez, que vous voyez le point d'interrogation jaune qui claque, à ce moment-là, vous jetez la phéromone. Ça va permettre d'identifier exactement où il est dans la zone. Comme ça, vous pouvez vous approcher, le prendre en photo tranquillement, le pister, basta. Et surtout que lui mettre les premières balles avant qu'il se barre. Ou si des fois c'est un loup ou quoi, ça vous permet de vous mettre sur un rocher et être tranquille, par exemple. Ça ne sert à rien de mettre la phéromone si vous n'avez pas le point d'interrogation, c'est mort. Alors après, à essayer, c'est mettre la phéromone si vous entendez l'animal. Parce que alors depuis la mise à jour là, on entend les animaux légendaires de loin. C'est-à-dire qu'en fait, on entend l'animal légendaire gueuler sa race, en gros, avant de tomber sur la zone. On s'en est aperçu nous ce week-end. Pour certains, on les entend vachement, vachement fort. Hein. Si vous entendez un animal, par exemple, un bruit de cougar, mais très fort, c'est que vous n'êtes pas loin d'un cougar légendaire, par exemple. Ou un bruit de bison très fort, vous n'êtes pas loin d'un bison. Deville, bonjour à toi, bienvenue, comment ça va? Que tu peux pas acheter le marchand au camp. Comment tu veux acheter le marchand au camp, Malgus? Malgus, pour avoir le métier de marchand, c'est à Valentine. Tu lis dans tes lettres, tu dois avoir une lettre de Crips. Et normalement, tu le retrouves à Valentine. C'est super loin, ça. Non, non. Alors, en fait, les échantillons. Que tu sois à 100% ou pas à 100%, tu gagnes toujours pareil. Vraiment, le 100% photographié et tout, c'est vraiment pour le. Voilà, comme je dis, hein, moi, c'est pour le beau jeu. Voilà, je voulais. C'était mon petit but à moi de tout avoir à 100%. Mais tu peux juste échantillonner et donc aller vendre à Ariette pour les estampiller et tu revends tes collections. Dabasco, bonjour à toi, comment ça va? Excuse-moi, je t'avais pas vu passer. Bonjour à toi, bienvenue. Ah ben voilà, ben tu normalement, je crois que tu relis, tu dois avoir un point qui doit se mettre à Valentine, Malgus. Crips, il est à Valentine.
Hello Hawk, comment tu vas? Bonjour à toi. Il m'a pas validé. Tu l'as eu le canard? Qui c'est qui a eu le canard? Bah, moi j'ai eu le canard, mais j'ai pas le poids jaune pour le déposer. Ah, essaye. J'ai vu. Ah, j'ai pas le point de vue non plus. C'est quoi cette merde? Parce que c'est pas un canard de qualité. Attends, je vais en trouver un. Ah, pour un 3 étoiles peut-être. Non, non, ça n'a rien à voir normalement. Un canard galeux que t'as buté, non? Michael, bonjour à toi, comment ça va? Bienvenue. De merde. Eh ben écoute, ça roule tranquillement en ce lundi matin, ça roule bien. On va pas commencer par pas arriver à faire un défi de canard, quoi, quand même, non? La honte. Mais pourquoi j'ai un point blanc et j'ai une croix blanche sur le... Bah, moi aussi, je suis pareil. Destination, il fait marquer. C'est quoi sa destination? C'est quoi cette merde là? Je sais pas, il y a un truc là-bas à droite, je sais pas ce que c'est. Pas ce que c'est ce machin du Bayou, ça va être encore, tu vois, un marchand ou un truc, un vendeur, un acheteur ou un truc comme ça qui a popé en même temps, je sais pas ce que c'est ce truc. Il y a des canards là. Ça fonctionne pas. Faut pas aller à la destination. Bah on peut y aller ouais mais. T'imagines là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est encore ce truc là? Putain, c'est à l'autre bout du monde quoi. Extraviti, bonjour à toi, monsieur Rivals. À toi aussi, Catlord, t'as eu un bug comme ça. Ouais, mais attends, on va laisser tomber. Hein. On va pas aller là-bas au fond. Hein. Par contre, Glamrock, ça me dérange pas que tu rejoignes les sessions où on joue, mais pas pour me suivre à la trace. Hein. Sérieusement. Hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, ça ne me dérange pas que vous nous rejoigniez en session. De toute façon, les lives le matin, je n'inviterai personne. Donc ça ne me dérange pas après que vous rentrez dans la session, faites votre petite vie. Mais ne me suivez pas à la trace, ça ne sert à rien. Le meilleur moyen de se prendre une balle dans les mauvais moments. C'est ça. Et après, j'ai pas envie de me mettre en froid avec vous parce que vous avez pris une balle, plus une balle explo, parce que moi je suis qu'à l'explo, alors que je vais faire que ça. Gunch, bonjour à toi, comment tu vas? Setshaft, Ah ben, bonjour, bienvenue.
Bon, c'est pété ce canard pourri là. Et tu as noté, ça m'a marqué, le marchand ne prend pas les animaux déplacés. Enfin, les... Alors que je vais pas déplacer, j'ai juste pris. Ça va bugger, je pense. Merci beaucoup Extraviti pour ton don. Merci à toi. Merci vraiment. Un maximum de GG pour Extraviti, s'il vous plaît, dans le chat. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait avancer la chaîne et ça me paye mon petit café du matin ou mon rosé piscine. Voilà. Non, ça va me payer mes écrans. Ça va m'aider à me payer mes écrans. Investissement là, ce week-end, on a eu le son qui a claqué, les écrans qui ont cramé, on est bien. J'ai eu, ça a été patate un peu ce week-end. Encore merci beaucoup Extraviti, merci à toi. On va mettre un grand GG pour Crips et ses missions dégueulasses que tu sais même pas ce qu'il faut faire avec ses canards pourris aussi. Je vais déjà aller le buter de bon matin. Le lundi, il me met déjà la fièvre, lui. Bah, c'est pas un camp et demi là-bas, Chris. Regarde où il est placé, le machin. Il est là. En plus, il n'y a rien là normalement, il n'y a que dalle ici à la destination. Il n'y a jamais rien là. Je sais pas. Pourquoi tu vas te foutre dans un arbre pourri? Explique-moi ta vie. Diogo, bonjour à toi, comment tu vas? Bah Mickaël, j'espère que t'as passé un bon week-end aussi. Iron Anjo, bonjour, bienvenue. Il y a un repère de bandits qui spawn là-bas, là où il y a le point. Bah écoute, il va aller... Bah il va rester là-bas, ce point de repère pourri. Faut pas commencer à nous faire traverser la carte pour un ravitaillement. Hein. Il n'y a pas de moto volante hein, pour traverser la carte.
C'était parfait ce ravitaille. Ah, il est parti en courant là. Qui est parti en courant? Bah le mec à qui on devait donner le canard, il s'est barré. Oui, la mission est finie. Ah oui, l'acheteur a... Diogo, l'acheteur a sauvé là. Genre, ouais, ça, ce truc là, il faut traverser la carte. Et puis après, il faut retraverser la carte. Des fois, en plus, il est buggé, il est bloqué, ce bonhomme là. Moi, je fais plus ça. Enfin, je fais pratiquement pas de vente à la distillerie, donc je m'en fous complet. On fait quoi? On retente un machin ou on fait quoi là avec ce truc? Le Crips là. De toute façon, on retente. Au pire, on ira chercher la sauge rouge si ça merde. Voilà, on va faire comme ça. Allez, go. On va nous donner ça. Bizarre ça. Théo, bonjour à toi, bienvenue. Jim Nurnen, comment ça va? Well, I think I'd be willing to bend my ethics just this once. The rest, I leave to you. À vol de canard. C'était comment le dessin animé à vol d'oie, là, le gamin qui était sur les oies, là. Comment ça s'appelait? Ah, c'est un dessin animé pour les vieux, hein, je le dis tout de suite. Si vous n'avez pas 35-40 piges, c'est mort. Connais Jaja? Comment? Tu te rappelles pas ça, Jaja? Ça te dit rien ça, dessin animé où t'avais un gamin qui se baladait sur des oies là? Nils, c'est ça. Bien joué, Dorian. Vacances terminées pour toi Théo. J'espère que ça s'est bien passé. Nizan. Bonjour à toi et train, braquer un train, ouais, il me semble qu'on est tombé déjà dessus pour de braquer un train pour du ravitaillement, je crois. Je sais qu'on le fait pour des criminels aussi, je sais plus, de tête, je vais te dire peut-être oui, peut-être que je me trompe. Ça, ça fait plaisir. That's what I like to see. Amen. Allez, on va se faire les deux criminels qu'il a trouvé à Black, recherché à Blackwater là. Enfin, West Elizabeth, ça sera fait. Et après, on se casse du côté de la sauge.
Allez, 2, 1, 2, c'est parti. On les prend, on les bute, on les défonce, on les ramène. Bah écoute. Parfait. Ça c'est bon. Ça c'est bon quand ça se passe comme ça. J'adore quand un plan se déroule sans à-coups. Dégage. J'étais en train de lire un manus. Là où ils ont abusé avec les indices, c'est sur les missions d'Ariette. C'est un truc. C'est un carnage d'indices, ces missions. Le mec qui s'occupe des indices, il a dû avoir une promotion depuis la mise à jour de Naturaliste. Là. Nendo, bonjour à toi. Shana, bonjour. VGF, bonjour à toi. Hello. You welcome. Comment ça va? Toujours en train de... Il y a 50 indices, je sais pas pourquoi, il y a 50 indices, je vais toujours sur le tas de merde, moi. Je dois être scato, moi, je pense. Un truc. Gaëtan, bonjour à toi, comment tu vas? Ah oui, Diogo, les animaux légendes. Ouais, les animaux pendant les voyages rapides, ouais, on les repère aussi. J'ai eu ça. J'ai eu ça, je sais plus quand. Sébastien ECK, bonjour à toi. Nils Anderson, mais c'est ça, Sébastien ECK, exact. Debasco, bonjour, bienvenue à toi. Allez, ça c'est réglé. Ça va être validé. Et après, on va aller chercher la sauge rouge. Pas tombé sur un seul cougar encore dans le coin. Monsieur le Duc, bonjour à toi, comment tu vas? J'aime pas ta gueule, bienvenue. J'adore ce pseudo, tu vois, le lundi matin comme ça, début de semaine, j'aime pas ta gueule, j'adore, quoi. Ça me fera toujours autant d'effet, quoi, un truc de fou. Nico El Barto, bonjour à toi, comment tu vas?
Et bonne journée à toi. Merci pour ton petit passage, même s'il est bref, il fait toujours plaisir. Merci beaucoup. C'est good, ça a validé le machin ou... Ouais, c'est bon pour moi. Eh ben, c'est parfait. On va aller se chercher la sauge rouge, comme ça on sera vers Armadillo. Après on pourra se faire Armadillo à Nesbourg et puis on ira chercher les cougars là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Eh ben allez. C'était quoi ça? La grâce, toujours de la grâce. Allez. Regardez-le, le Kirikou qui nous sort des petits cœurs là, là comme ça. Ah, Kirikou. Il a violé le réveil ce matin. Non. Qu'est-ce que tu fais? T'es en retard, je prends note, hein. Non, moi c'est une demi-heure, c'est la merde. Hein. Ah oui, ça c'est bien vrai, Franck. Anthony, bonjour à toi. Ouais, ça refonctionne nickel. Il passe une très bonne journée. Merci, même son passage, pareil, il est tout petit, il est rapide, mais il fait vraiment plaisir. Merci à toi, Anthony. T'as quoi comme cheval, là, Jean-Jean? Nouveau? Nouveau. Net. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir de reprendre les lives le matin. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Le dernier live qu'on a fait le matin, c'est il y a une semaine. C'était lundi matin. C'est vrai qu'on a fait la semaine dernière, ça a été vraiment vraiment spécial, quoi. Ça a été du live comme ça, quoi. Comme on pouvait. Ah oui, c'est vrai que Kirikou, il avait dit qu'il arriverait plus tard. Ah bon? Eh oui. Delstar, bonjour à toi. Allez, on va aller chercher cette sauge. Je vais remettre le petit lien. J'essaie de faire comme ça. Comme ça, tac tac. Cheyenne, bonjour. Comment tu vas? Allez, les loups, elle écoute pas, non. Écoute pas. Comment ça, j'écoute pas? C'est lui qui me dit ça en plus? C'est toi qui me dis ça, Kirikou? Tu vas 9 fois sur 10, toi. Je trouve que c'est pas défaut d'avoir des grandes oreilles, hein. Il y a plus de look de PNJ. Et ça, c'est Dumbo, le truc. C'est clair. Bah écoute, moi ça roule, la team ça roule, tout roule. C'est lundi matin, il fait beau. On a pris son petit déj, tout va bien. Regarde ça. Regarde ce bordel, mais ça. T'as
cartel. Et le mec qui s'occupe des loups dans le jeu, il a eu une promotion. Pareil, lui. Comme le gars des indices. Ils doivent travailler dans le même bureau. Non, nous, spawn, ça va. Si, quelques décos quand même en tout début de partie. J'en ai eu encore un ce matin, mais après, ça roule. Ça a l'air de rouler. Ah, le plus que j'ai eu cette shaft, c'est une dizaine de loups d'un coup. C'est ça, des villes. En fait, tous les administrateurs, enfin tous les modérateurs dans le chat, c'est la team en fait. Bah écoute, c'est pareil Dorian, le loup Onyx, je me suis aperçu que je l'avais chopé, je l'avais tapé pendant le live 24h et que en fait j'avais carrément zappé lui. Et on l'a fait avant-hier, je crois, ou je sais plus, vendredi, samedi, vendredi. Allez, la sauge, ça doit être dans le coin quelque part là. Je cours comme un... plus loin, c'est juste avant de monter à Fort Mercer. Ça doit être là, je crois. Ici en bas. Cueille pas la mienne, je vais te buter. La tienne, tu l'as payé. Milou, bonjour à toi, comment tu vas? Mickaël, comme cheval, moi, si je dois t'en conseiller... Je peux t'en conseiller deux. Alors déjà, à 42$ le noir, je te le conseille pas. Mais bon, si tu l'as pris... Ouais. Je te conseille le Norfolk Roadster. C'est celui que j'ai. Cheval très peureux. Mais tu peux traverser la carte en sprintant. Hein, tu lui donnes pas beaucoup à bouffer. Il a une énergie de taré. Et après, je te conseille celui du... tous ceux des métiers. Les derniers rangs sont pas mal. Ici, j'en ai le encore. Breton est très bien. Et le dernier du naturaliste est bien aussi. Vraiment un très bon cheval. Ben voilà. Après, comme je dis, les chevaux, prenez ceux qui vous plaisent. Ils ont tous des avantages, tous des inconvénients. Au niveau de la vitesse, ils se tiennent tous. De toute façon, il n'y a que sur la longueur que ça se joue. Donc vous prenez déjà un cheval qui vous plaît esthétiquement, que vous trouvez beau. Enfin, voilà. Sur les stats, il n'y a pas ouf entre les chevaux. Hein. C'est pas parce qu'ils valent cher qu'ils sont mieux. Hein. Il m'en manque une encore de sauge, moi. Mais... Elle est là. Sur le coin. Là. Ou sur le coin. Oui. Ah oui, bien ouais. La sauge... Ou ici dans le coin, avant de monter dans Fort Mercer, ou sinon là aussi, autour de ce. Autour de Fort Mercer, là. Vous en avez là. Hop. On va se refaire un petit check de défi. On a fait qu'un.
Le cougar, les poissons, on ira les faire là-bas. Boutique visitée à Tumbleweed. Eh ben, on va aller à Tumbleweed, allez hop. Parti. On fait Tumbleweed, on revient sur Armadillo. Armadillo, on se TP à Nesburg. Et après, on se fera tous les poissons et tout là-bas. Allez, go. Allez. On a combien là? 4, 5 ce matin. Ouais, ouais. Ça fait vraiment. Endog Suga, bonjour à toi, comment tu vas? Vive Red Dead et vive la République. Merci Red Caddy pour ton abonnement, bienvenue à toi, merci beaucoup et bonjour à toi. Non, c'est vrai, après Catlord là-dessus a raison sur les chevaux, en plus c'est vrai il a une vidéo qui le prouve et puis nous à force de le faire on le voit aussi hein. Sur de la longue distance il commence à avoir une différence de vitesse sur les chevaux, mais sur des courtes distances il n'y a pratiquement rien quoi. On le voit quand faites l'essai quand vous faites des courses de groupe hein. Faites des courses de groupe, vous allez voir hein. Celui qui part en premier il finira premier, sauf s'il va taper un rocher ou s'il va prendre un mauvais virage ou voilà, sinon si vous faites des trajets sans erreur. Les chevaux, c'est impossible de doubler l'autre devant. Impossible. Et bah allez, on se retape à Armadillo et on se TP à Annesburg. On fait comme ça. Allez. Pareil, débile. C'est ce que je pense aussi, que les chevaux sont encore plus débiles qu'avant. Alors déjà que le mien, niveau très con, il était déjà pas mal. Et là, j'ai l'impression qu'il a encore franchi un cap. Il n'y a pas de course déjà. Ça va, oui. On a perdu Franck. Ah non, si c'est Franck qu'on a perdu. Ah oui, je prends un cactus, ouais. Oh la vie, il y a des cactus. Ouais. Eva Sanchez, bonjour à toi, comment tu vas?
Ah, je trouve que les chevaux sont un peu plus débiles qu'avant. Il y a un truc que je ne supporte pas dans le jeu, et ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est la visée sur les chevaux. C'est un truc de taré, ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit contre des joueurs, vous visez plus facilement le cheval que le joueur. C'est un truc de fou. Les PNJ, c'est exactement pareil. Tous les PNJ qui sont à cheval, tu vises le cheval avant de viser le PNJ. Et alors, le summum, c'est quand tu tombes sur un camp ou un truc comme ça, que tu arrives à cheval dessus, la première chose qu'ils éclatent, c'est ton cheval. Allez. C'est Annesburg, non? Annesburg. Ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est Ah, on se TP? Ouais. Oh. Ouais, je le fais pas, mais là, j'avais pas envie de faire toute la carte encore. 10 balles, quand même. 10 balles, ça fait ça, du bien, ça fait plaisir. Lil Shax, bonjour à toi. T'as vu Catlord TP. Ah, celui-là, vous pouvez mettre une croix rouge sur cette journée. J'ai pris un TP. On va aller là-haut. Normalement, il doit y avoir du cougar qui traîne. Et on doit avoir des poissons-chats ou je sais pas quoi là-haut là. Il y a des gros poissons à Annesburg, je crois. Enfin, à Brandywine. Il me semble. Ouais, vers la cascade, je crois qu'il y a des gros poissons. Il me semble, ouais. Le cheval est bloqué, mais non. Somme. T'as fini, oui. Pauvres chevaux, ils se font insulter dans tous les sens. Pourtant, sans vous, on ne peut rien faire sur le jeu. Quasiment. C'est ça, t'as aussi les PNJ qui arrivent en face de toi, qui traversent la route complète, mais ils arrivent même à sortir de la route pour venir te rentrer dedans. Ah, mais même les arbres, ils traversent. Je te jure, je m'en prends souvent. Ça viendra l'île Shax. C'est vraiment. Ah, je crois que j'ai un cougar. Je le vois pas. Ah, il est là. Cougar, je vais vous remettre le petit lien. Normalement, ce lien est pas mal. C'est pour avoir deux cougars très rapidement. Deux spawns à cougar qui se retrouvent l'un en dessous de l'autre, là où je suis par exemple, et un là où on va. Exactement ça, cette shaft. Les PNJ viennent au contact. Ouais. La dernière fois, je suis carrément sorti de la route pour les éviter, mais non, ils sont sortis de la route pour me rentrer dedans. Attention aussi, les PNJ butent les animaux endormis. Je vous le dis, les animaux anesthésiés, si un PNJ passe à côté, il peut le buter. Ça m'est arrivé ce week-end, j'étais vers Blackwater, j'étais en train d'anesthésier un cougar. Et une fois qu'il était anesthésié, qu'il était prêt à tomber, et un PNJ qui est passé à cheval, il me l'a buté à grand coup de fusil à pompe. Bref.
une belle vie de merde. Allez, on va regarder si je crois qu'il y a des gros hein, ici. Je crois. C'est même pas sûr en fait. WFC Mad, ouais, je vais te faire voir les défis du jour vite fait. Aucun problème. On fait quoi là? Normalement, il y a. Pas suivi. Il y a un gros poisson, mais je pensais qu'il y avait des gros ici, moi. Je sais pas pourquoi. Là, la cascade, non? Non, il y a des gros quand on fait les. Ouais, quand il y a que le défi pêche en fait, ouais, c'est ça. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Okay. Eh ben, on va partir. Je sais pas où. Les petits défis, je te fais voir vite fait. Annesbourg, Armadillo, boutique visitée, Tumbleweed, chien caressé, cougar tué, deux plans de sauge rouge, poisson de 5 livres, événement en mode exploration 2. Je te fais voir vite fait ce que j'ai fait voir tout le temps en début de live. Les chasseurs de primes. Ok. Marchand. Fleur sauvage, hop, collectionneur, excuse-moi. Distillateur. Et naturaliste. Et voilà. Ouais, ça va. À part le plus long, c'est les explorations. Enfin, vite fait, quoi. Faut juste attendre que ça pop. Bon, bah alors, on va retourner. Je sais pas où. On va retourner bah, chercher des esturgeons. Il y a des esturgeons dans le coin. Là-bas, en bas. On peut essayer de descendre par la forêt, il y aura peut-être des cougars. C'est vers le truc là où il y avait le casque de viking là. Ah bah t'avais répondu Dorian, j'avais pas vu. Ah Deville au fait, il est là Deville. Deville au fait. Je t'ai rejoint ce week-end. Je crois que c'est ce week-end que je t'ai rejoint ou la semaine dernière, je sais plus quand c'est. Là, c'est un loup, un ours. J'ai vu que tu mettais pas de peau sur le cheval derrière. Ah, j'ai l'œil, hein, j'ai vu. Alors, comme je t'ai dit, quand tu prends une fille sur ton cheval derrière, il faut mettre une petite peau. Ah, tu m'écoutes pas. Pensez-y. Kevin Gomez, bonjour à toi. Comment ça va? J'ai un cougar. Non, c'est quoi? Si, ah, y a un bah, cougar. Au secours. Non, non, c'est bon, c'est fait, moi. Ah. Il est vers toi? Oui, bah, oui. S'il y a quelqu'un avec toi, butez-le. Vas-y, attends, j'arrive. Non, il est un peu plus haut, il est parti. Là. Luette, bonjour à toi, comment ça va? Ah ouais, mais une petite peau, même une peau de n'importe quoi, de rat musqué. T'en mets deux, tu mets deux peaux de rat musqué. De rien. Parce qu'une peau de rat musqué, c'est juste fait pour une fesse, donc tu mets deux. Yeah.
C'est ça, Delstar. Il est pas à l'agonie, mon cheval. Regarde ça. Regarde comme il est fier. Petite tape. Voilà, petite carotte. Je peux même plus lui donner à manger à ce cheval. Comment ça se fait? Ah. Je suis plus fort que Vince. Alors ça, j'en sais rien du tout et je sais pas. Non, je vais te dire non. Je joue tranquillou, moi je fais ma vie, peinard. Il n'y a pas de plus fort ou moins fort. Au contraire, entre youtubeurs français, on devrait s'aider plus que se faire la guerre. Après, je sais pas, je peux te, voilà, je te fais voir ce que j'ai 3000 lingots, 211 000 $. Voilà, après, je sais pas. Nendo, merci pour ton abonnement. Bienvenue à toi. Même si ça fait déjà un moment que tu es là, Nendo. Mais merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. Ah, c'est où déjà le truc de viking là? C'est pas... Comment est bon les tropéziennes? Là c'est à Roanne... c'est ici à Roanoke Valley là. Je crois que c'est là hein, qu'il est là. Bonjour à tous. Ah mon Kirikou. Ça va poto, tranquille. Une heure de retard, ça fait une heure chez la NASA. Le chef est au courant. Bon, comment que c'est? Bah écoute, ça va, tranquillou, ça roule peinard. Yep, nickel. Je te dis bonjour. Du coup, malélouche. Voilà, c'est ça, Devil. Non, mais franchement, faut pas déconner avec la petite peau sur le cheval. Ah, de moi, là, je peux. Peau de cougar, en plus. Merci. Là, tu peux, tu peux engager des kilomètres. Après, tu mets de la peau sur le cheval, derrière, pour la fille. C'est suivant aussi la catégorie de femme. D'accord? Si c'est une dégueulasse, tu peux mettre une vieille peau de chèvre pourrie ou une peau de coyote, ça dérange pas. Si tu l'aimes pas trop, tu fous une peau de croco. Voilà. Après si c'est une femme, bon, il y a moyen qu'elle fasse la cuisine. Ça, c'est pour mon côté sexiste, ça. Parce que j'ai ramassé ce week-end à grands coups de macho et sexiste, donc c'est pour ça que j'en abuse un peu. Bah là, tu peux mettre une peau de cougar 3 étoiles, tu vois. Que ce soit un peu plus molletonné, que ce soit un peu plus agréable, qu'elle ait envie de rester sur ton cheval, tu comprends. Mais ça marche aussi avec les mecs, hein. Bien sûr. Hein. Après, si tu mets une tonne de peau de 3 étoiles de cougar, le problème c'est que ton cheval il va plus avancer. Et je viendrai vérifier la team australienne la prochaine fois. Je suis passé la semaine dernière vérifier et j'ai vu qu'il n'y avait pas de peau. Ok. Donc. Merci Devasco pour ton amendement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bienvenue. Tu fais quoi là? Au point là? Esturgeon. Ah, esturgeon. Spartan, bonjour à toi, comment tu vas? Allez, on va aller pêcher cet esturgeon là. Je vais foutre mon camp dans le coin. Ah, il doit y avoir une conf. Ouais, il y a
peut le faire. On peut se le faire. Amigo ? Allez. Il y a moyen. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Mais je sais pas pourquoi je sens que. Oh non. Bonne route. Eh bien, bien, j'ai une peau de cougar. Eh bien. Bien là, j'ai une peau de cougar. Putain. C'est la loose ça. Il manque les loups quoi. Ouais. Ah bah normalement de ville, ouais, doit mettre une petite peau aussi, bien sûr. Essaye de donner des coups de pied. Des coups de marque. Des coups de coupe, sans le coup de coupe. Moi. Tout ça pour qu'elle me donne deux balles. Mais c'était pas Jaja ça. Ouais je sais. C'est Jaja qu'il faut... J'avais envie de découper au passage. Ça marche aussi la peau de castor, Luette. Hein. Tant que tu laisses pas les dents, c'est bon. Il trouve. T'entends l'autre? Ouais. Ils abusent pas non plus avec ces personnes là ramenées à trois plombes là. Sérieusement, on peut pas aller, on peut pas l'emmener à Saint-Denis, elle prend le train, fait comme tout le monde. Ça c'est encore une meuf qui a pas une thune. Vas-y Kiriko, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, no far now. Vas-y, il est tout en blanc, salido. Ah, c'est bon. Ça, c'est Nazar. Ça, c'est Nazar demain. Ça, c'est demain, c'est Nazar. Ça, t'as gagné, hein, mec. Demain, punition. Désolé, mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans. Manque de respect. Ça, c'est parti pour. Là, s'il y a personne qui me manque de respect, il n'y aura même pas de Chifoumi. Hein. Tu peux y aller direct. Hein. Toi, t'as gagné une demi-heure chez la Nazar, là, pour l'instant. Oh la putain, le poids. Prie pour qu'il y en ait un qui. Tu travailles demain, Kiriko. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. Ça me semble bien, ouais. Et dans le doute, je crois que moi aussi, je dois venir t'aider pour bosser. Ouais. Ah ouais. Vu que. La journée n'est pas encore finie. Je prévois déjà le coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Vanderlei? Et pas vomi toi, mais non aussi. Si, je sais pas où il est, Franck. Et moi, elle a perdu entre temps. Delstar, bonne journée à toi. Merci pour ton petit pouce magique qui fait plaisir, comme d'habitude. Merci. À tous les pouces magiques même. Et bonne journée à toi, tu reviens quand tu veux, tu le sais.
tombe. Je reviens. Yep. Ah, j'ai pas regardé les portes du Fort Wallace, c'était ouvert ou fermé. Allez, à la pêche, à l'esturgeon, là, feu flamme, on y va. Problème Nizan. Ah Eva, c'est gentil pour ton aide, mais c'est tout bon. Puis en plus, moi aussi, j'ai une princesse ou une reine, mais bon, comme c'est comme ça, elle prend une moto volante de GTA, elle arrive avec des missiles autoguidés, à tête chercheuse. Ah non, Deville, c'est même pas du caractère, c'est... On pourrait refaire le débarquement, elle, toute seule. Elle doit habiter au complexe sur GTA avec la frappe orbitale. Oh, je suis en train de... Oh, un esturgeon, c'est un requin. C'est bon pour moi. Regarde-le comme il est beau, regarde-le comme il est beau. Ça, c'est de l'esturgeon, ça. Ça, c'est de la pêche sportive, ça. Il va attraper le chauffeur. Regarde un peu la guerre, là, la bataille, là. Dis-lui, viens où je suis, je regarde comme il fait le beau. C'est un combat. Je fais un peu de roleplay, des fois, de temps en temps, c'est pour ça. National Geographic présente. Non, tu le fais mal, Kérékou. La pêche à l'esturgeon. Tu le fais très mal, Kérékou. Ça fait pas comme ça. Je suis désolé. Bon, c'est bien plus fort. C'est bien plus fort que ça. Refais-le. Ah ouais, c'est le truc. Non. Putain, que le truc de fou. C'est la musique de taré, ça. Ah, la musique. 5 heures du matin, tu t'es endormi devant le canapé, t'inquiète pas. Ta chasse et pêche qui va te réveiller sévère, quoi. C'est ça. Générique débile, à fond le taquet, juste après derrière, ils vont te faire voir un petit jet bleu. Tu sais, le truc tout calme, limite ASMR, mais t'es pris 30 secondes de générique, mon pauvre. Ça t'a arraché, t'as fait saigner les tympans. C'est qu'après leur petit truc de jet bleu, tu l'entends même plus piailler, le jet bleu, quoi. Tellement que t'as mal aux oreilles. C'est tout bon pour tout le monde ? Oui, mais Lilou, je crois qu'elle a pas pêché, là. Elle a dit qu'elle revenait, là. Eh ben, je vais aller au camp, voir où ça en est, moi, en attendant. Camp pourri, là-bas. C'est ça, chasse et pêche, c'est ça, c'était mon rendez-vous de DJ, ça. Quand je rentrais le matin de la boîte, je prenais le petit déj et devant chasse et pêche.
Ou souvent, des fois aussi, c'était quand je rentrais tard que c'était un peu le bordel. Je rentrais un peu plus tard, c'était devant les dessins animés. C'était je sais plus ce qu'il y avait le matin que je regardais comme ça. Je regardais le dessin animé avec les trois meufs là. Comment ça s'appelle là ? Totally Spice. Voilà. Ouais. Là, Lilou, hein, pour les surgeons. Ouais. J'en ai remis un à l'eau. Donc... Bah, chasse et pêche en sortant de boîte, si tu vomis pas à ce moment-là, c'est bon. Hein. Tu peux aller te coucher. Attends, il est plus chaud. Non, il est plus. Faut pêcher, c'est ça ? Ouais, ouais, petit esturgeon. Truc de rivière, là. Je vais voir au camp s'il y avait un petit ravito de près, histoire de finir ce ravito, là. Ouais, t'en as un juste devant moi, là, regarde. Non. Ah oui, nickel. Merde. Je fais du GTA aussi, mais très très peu. Je fais quelques rassemblements de temps en temps, mais très peu parce que j'ai même pas le temps de faire les montages vidéo derrière. Faut que j'y m'y mette dessus. Mais oui, un petit peu de GTA de temps en temps, ça change un peu, ça fait plaisir. Mais en mode à la cool, quoi. Voilà, il a de quoi bosser. C'est bon. Feu. Good. Yep. Faites rêver, quoi. Sérieusement. De quoi ? Le chat me fait rêver. Il y a de gros poissons aussi. Ouais, il y a de gros poissons, exact. Des Diogo, c'est pas des barbus qu'il y a dans le coin. Hein. Barbus de rivière ici, oui, il me semble. Bien joué, Diogo. Donc, j'ai pas de ravito. Allez, on regarde vite fait ce qu'il nous reste à faire là. Chien caressé, peut-être falloir que je m'y mette. Cougar. Ok, mission de prime difficile. Pff, normalement ça marche pas, mais on peut essayer. Ravitaillement. Ok, des objets, ok. Alcool. Servir. Échantillon d'animaux. De la ferme. On peut aller faire ça. Si. On peut aller à Emerald. Ah, on va aller faire toute la basse-cour, ça y est. C'est ça. Allez. On peut faire les trois échantillons de la ferme, ça c'est faisable. Ah, mais je crois que c'est bon, j'ai un ravito. Je viens de voir péter. Il est où mon yinche là? Aussi. Viens là toi. Alors Laura, elle a voulu le caresser et il s'est cassé en courant. Ah, il a pas envie de se faire caresser. C'est quoi ce chien pourri que j'ai là? Non mais sois pas choqué, GG. En fait, entre bêtes, ils se comprennent. Donc avec Jaja, il n'y a pas de problème.
Nous ne sommes pas des bêtes. Il nous fuit, c'est normal. Nous ne sommes pas des bêtes. Des bêtes. Lil Shax, je pense qu'il est patché, ouais. Personne, plus personne n'arrive à le faire. C'est pour ça que j'ai rajouté patché dessus. C'est que je crois que oui. Je crois que c'est fini. Thanks, partner. You're the best. Chasser une biche. Une biche. Chasser une biche. Allez. WFC, c'est pas un rappeur, c'est. Oh, c'est Rambo. Eva, on va plus te demander, hein. Un souci d'écoulement. De quoi, Jaja? Souci d'écoulement. C'est vrai, Eva, c'est pas mythique ici, hein. C'est mort, hein. C'est loupé. C'est mythique. Tu es vraiment une fille, c'est pas mythique. Et après, c'est mon avis à moi, mais c'est pas trop une façon de faire, à part finir par te faire choper dans un coin et te faire violer. Après, si t'es un homme, tu fais très mal la femme. Je te le dis aussi. Au cas où. Mais après, rien de méchant, c'est juste... Anjali, bonjour à toi, comment tu vas? Alpac, bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. Hello McFly. Ah toi, je t'ai préparé une petite vidéo, je l'ai pas encore, faut que je la mette dans la journée, là. Vas-y, dis-moi dessus. Ah oui, j'ai évité quoi. Mais non. Bien sûr que si, Eva, tu peux tout à fait. Après, c'est pour moi. Après, moi personnellement, je m'en fous. Tu sais qu'il y a énormément d'hommes qui se font passer pour des femmes aussi, hein, sur les chats. Hein. Tu faut comprendre que je peux aussi me méfier. Après, chacun sa vie. On n'est pas né de la dernière. Chacun sa vie, chacun sa vision des choses. Hein. Moi, voilà. Je m'en fous personnellement après. C'est ça, Christophe Chris. Good. Et voilà. Well, something's better than nothing. Amen. Allez, Emerald, on va aller se faire ces petits animaux de la ferme, là, vite fait, ça validera ça. Après, Eva, c'est pour toi et c'est pour tout le monde que je dis ça.
Il n'y a rien de méchant du tout, mais faites quand même attention, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quoi, dès que vous êtes sur Internet, vous ne savez pas qui est derrière les écrans. D'accord ? Donc faites juste attention. C'est juste comment on appelle ça, de la prévention. Faites gaffe, vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne savez pas qui c'est qu'il y a derrière un écran, vous ne savez pas, voilà, vous savez rien. Bah écoute, Eva, après, tu cherches un petit peu la critique, hein. Après, c'est pas, moi c'est pas de la critique, hein, c'est juste, faites juste attention, que ce soit pour n'importe quel sujet, n'importe quelle chose, vous ne savez pas qui c'est qu'il y a derrière les écrans. Après, c'est voir le mal vraiment partout, hein, mais... Moi, ça évite quelques problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes. Et après, il faut se dire que de toute façon, c'est un regroupement de personnes où on n'a pas tous la même mentalité, toute la même façon de voir les choses. Et c'est tout. Vous savez, moi, je me bagarre tous les jours, voire régulièrement avec Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il y en a un qui est pas content parce que j'ai écrasé un lièvre, l'autre il est pas content parce que j'ai fait une vidéo et que j'ai dit que le rose c'était pour les filles, donc j'étais un macho, un sexiste, hein, tout ce que vous voulez. Ce week-end j'ai ramassé comme pas possible. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y aura toujours des personnes qui n'accepteront pas quelque chose et qui ont leur opinion et qui sera... Et que leur opinion ne changera pas, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, c'est des gens avec qui on ne peut pas parler. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu fais sera jugé. Quoi qu'il arrive. C'est ça, Milou, 100% rose fille. C'est donc savoir qu'en 2020, c'est du sexisme, c'est du machisme. Alors comme j'ai répondu, parce que je vais en parler un peu, parce que ce week-end, ça a été quand même un week-end mémorable, hein, pour moi. Hein. J'en ai ramassé, mais dans tous les sens. Sur des réseaux sociaux aussi, sur des groupes Facebook où les modérateurs n'ont pas l'air d'être là. Je passe le message en même temps. Hein. Petits réseaux, les petits groupes Red Dead où les mecs, ils ont monté un groupe, mais ils sont jamais là. Comme j'ai répondu, je ne suis pas sexiste, je ne suis pas macho, moi j'ai 40 ans, et comme j'ai dit, la première personne déjà téléphoné à Mattel pour porter plainte contre eux, pourquoi les Barbies sont roses, et après comme j'ai répondu, aujourd'hui j'ai Instagram, hein, j'ai Facebook aussi, j'ai Snapchat, et quand je vois le nombre de couples, d'accord, qui pour annoncer le sexe de leur gamin, ouvre un truc où il y a des ballons roses ou des ballons bleus qui s'envolent. Il arrive un moment, je comprends pas trop comment on peut venir me prendre la tête pour une couleur. Et deuxième chose, parlez-en à vos parents de ce genre de truc. Vous allez voir que avant, ça a toujours été, les garçons c'est bleu, les filles c'est rose. Et ils n'ont pas passé une vie de merde, ils n'en avaient rien à foutre. Donc aujourd'hui, arrêtez sérieusement de créer des histoires pour rien. Voilà. J'ai des baskets roses aussi. Oh, vous avez décidé de buter toute la ferme là ? C'est des échanges. Apparemment. Oh, c'est sauvage. Je crois que c'est bon, moi j'ai fini. Après ça, c'est mon point de vue personnel, mais j'aime donner mon point de vue. C'est ça, c'est Shaft, c'est tout, c'est comme ça, c'est des codes qu'on a dans notre vie, il faut arrêter de vouloir tout changer, c'est comme ça, on a été élevé comme ça, on n'a qu'à changer le Père Noël de couleur, putain, aussi. Franchement, pourquoi le Père Noël il est rouge et blanc, arrêtez, changeons le Père Noël de couleur. Ouais, ça c'est déjà fait. Changeons le Père Noël de couleur, quoi. À l'origine, le Père Noël il est vert et blanc. Ah ouais. Ouais.
Non mais c'est Coca qui a fait rouge et blanc. C'est Coca-Cola. Ouais, mais bon, maintenant on a qu'à le changer. Pourquoi il est pas, pourquoi il est, pourquoi il est pas jaune? Sérieusement, pourquoi il est pas jaune? On a qu'à tout changer. Ouais. C'est dommage, hein. C'est ça, c'est des discussions que chacun a son opinion. Randy Orton, bonjour à toi. Mais voilà quoi, de se faire descendre, parce que ça m'a mis les boules hein, ce week-end, je vais pas vous mentir, de me faire descendre, de me faire insulter de tous les noms, que ce soit sur Facebook, YouTube, sur la chaîne aussi, hein, des commentaires, j'en ai effacé des tonnes, hein, de voir des gens qui trouvaient ça honteux, effrayant. Il arrive un moment, oh, arrêtez quoi, arrêtez. Si les filles aiment le rose plus que les garçons, c'est parce que tout petit, les filles sont plus souvent habillées en rose, ont plus de jouets roses. C'est comme ça, on est éduqué, on est formaté comme ça. Et ça fait, ça, enfin, je vois pas ce que ça peut gêner dans la vie d'une fille ou dans la vie d'un garçon d'une couleur. Enfin, voilà, bref, enfin, voilà, fermez la parenthèse là, parce que je vais reprendre un assaut, je pense. Mais... il y a des choses plus importantes dans la vie à se battre que se battre pour des conneries pareilles. Tout à fait, cette shaft, c'est exactement ça. Mais attention, hein, j'ai nombre de filles qui m'ont écrit avec vu que j'avais mis que c'était pour les roses pour les filles, ça veut dire qu'en fait j'étais un machiste, que les filles c'était à la cuisine. Faut voir quand même les trucs de taré hein, que j'ai eu, truc de débile. Hein. Te dis mais oh, je t'ai jamais dit qu'une femme c'était à la cuisine. Enfin bref. Ouh là là. Toi t'as fait une erreur toi. Oh, c'est une mission. Tu vas aller le faire? Ouais bah tu l'as fait quoi. L'erreur. Et tout à fait cette chaffe, tu vois. Parce que là, je me suis vraiment pris de tête avec une personne sur Facebook pour ça. Qui me disait en 2020. Ah je peux pas monter sur le chariot. T'étais dessus pour moi. Ouais, là, je peux pas le conduire, je peux pas virer le type. Ah ça y est. Qui me disait qu'en 2020 c'était incroyable de voir encore des trucs comme ça. Et je suis allé sur son profil, il avait une photo où il mangeait du saucisson. Je lui dis putain c'est quand même incroyable en 2020 de tuer des animaux pour les manger, tu t'imagines. Mais ça c'était normal. Et c'est bon. Ah, ça y est. Donc lui là, moi j'ai pas le droit de dire que le rose c'est pour les filles, mais lui il avait le droit de manger de la charcuterie. Il n'a pas compris que bah, il peut aussi se faire attaquer pour ça. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Debasco. Ni l'un ni l'autre. J'ai pas regardé tout ce que tu me dis, mais j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. J'ai pas regardé, j'ai juste vu là les youtubeurs que tu m'annonces. J'ai pas suivi tout ce que tu me demandes. Mais j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est exactement vrai, Luette, en plus. Ni l'un ni l'autre, parce que aucun youtubeur français sur Red Dead, parce que les youtubeurs français sur Red Dead, à part se faire la guerre, ils savent rien faire d'autre, et donc ça ne m'intéresse pas. Quand je trouverai un youtubeur français solidaire, un gros youtubeur français solidaire, plus gros que moi, bien sûr, hein. Parce que du moment où les mecs ont plus de
ont des plus grosses chaînes que toi, ils te snobent. Ils n'ont rien à foutre de ta vie. Au contraire, ils essayent de te bouffer. Donc, ni l'un ni l'autre. Voilà. Moi, je fais ma vie tout seul, je me construis tout seul. Et je m'en fous de ce que font les autres. Après, pour ceux qui viennent parler d'autres youtubeurs sur ma chaîne, j'espère que vous faites pareil pour moi quand vous allez sur leur chaîne. On est d'accord ? C'est encore loin, Jaja ? C'était Jaja, t'as pris quoi comme mission là ? Le gars, il part à l'autre bout de la terre, non ? C'est une livraison de marchandises, pas énorme. C'était un petit chariot en plus. Ouais, mais c'est forcément une longue, quoi. Ah oui, je pense. Ah bah, il n'y a que les longues que tu pataques. Joueur sur la gauche. Ouais. L'ancien, il bouge. C'est bien ça, Jim. Bien joué. GG à toi. Moi j'étais bien Carcano et depuis que j'ai essayé le rolling block, tout compte fait j'aime bien le rolling block. Pour dire si j'ai un choix, je pense que plus le rolling block pour moi. Pareil. Après c'est vraiment... Mais bon, le verrou il va très bien. Hein. Franchement il a des en stats en portée en dégâts. Mais... il a rien envie au rolling block hein, et au Carcano. Après je pense que... Moi je prends que le verrou, les stats j'en prends plus. Nazar je crois que j'ai pas aujourd'hui. Hein. Je vais voir, je vais bien regarder, mais j'ai plus de collection à lui filer à elle, donc je sais pas. Si quelqu'un sait où est Nazar, n'hésitez pas à le laisser dans le chat, ça pourrait aider tout le monde, parce que là. Nazar, elle est un pack grappling, il me semble. Tu l'as vu ? Ouais, tout à l'heure. Il me semble que je l'ai vu. Si tu l'as vu, elle est sur ta carte. Ouais. Ah, elle est à côté de Blackwater. D'accord, dans les Great Plains elle est. Au devant. Voilà. Bon. Au-dessus de Manzanita. Ok. Poste. Bien joué. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? 8 sur 9. Ok. Vous voulez qu'on retourne à Brandywine, voir s'il y a du cougar ? Allez. Brandywine est juste en dessous. Hein. Tu veux monter, Kiriko ? Ah ben, il est au téléphone. Je suis un peu d'accord avec toi, Extraviti. C'est un peu normal, c'est comme si tu étais chez Coca-Cola et tu fais la pub pour autre pour chose. Pour Pepsi, ouais. Pour ça. Ouais, pour Pepsi. C'est n'importe quoi en fait. C'est clairement un manque de respect en fait. Pas très cool. Après, s'ils font la même chose de l'autre côté, mais ah je oui crois pas trop.
Mais c'est ça le problème. C'est ça, Mickaël. Alors, pour les chasseurs, attendez samedi soir. Samedi soir, à la Disticothèque, il va y avoir de l'animal légendaire, là. Jamais eu autant d'animaux légendaires au même endroit. Hello, Jen. Comment ça va? Bonjour à toi. Petit café sous la pluie. Ah ben, bravo. Allez. Ouais, on part, on va chercher le cougar. Les cougars. Casu Maru dans un live il y a pas longtemps, il a dit qu'il avait fait de la pub et pas toi. Bah écoute, avant d'en parler dans un live, il vient m'en parler en privé. Je pense que avant de faire quelque chose, moi je regarde pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Déjà en live, je savais pas qu'il faisait du live. Ouais, oui. Et puis je pense que la première des choses déjà, c'est de venir me parler en privé, d'en parler en privé entre youtubeurs. Je suis pas. Enfin, faut savoir que moi je fais mes vidéos, j'ai une vie à côté, je prépare vos vidéos. Faut savoir que ça fait 15 jours que je bosse comme un taré. Comme vraiment comme un taré. Après, je suis pas là pour regarder ses lives et puis c'est tout. Il regarde pas les miens non plus. Ou, enfin, j'en sais rien. Bref, mais si, je pense que quand même, je pars du principe parce que moi je le fais. Hein. On est d'accord, je le cache pas, je le fais. Je suis pas une grosse chaîne, mais je suis une chaîne un peu plus grosse que d'autres youtubeurs sur Red Dead Online. La dernière fois, je suis allé rejoindre un youtubeur sur Red Dead Online qui était en live, qui a une plus petite chaîne que moi. On y allait toute la team le rejoindre. Moi, je le contacte. C'est moi qui le contacte parce qu'il est plus petit que moi, donc c'est moi qui le contacte et qui l'aide. Je pars du principe que ces youtubeurs comme Casu ou Vince, parce qu'autant en parler, c'est peut-être à eux de me contacter et pas à moi d'aller les chercher. Moi, j'ai pas besoin d'eux au pire. S'ils veulent m'aider, ils m'aident. Mais c'est pas moi qui va aller réclamer la pitié ou qui va aller réclamer quelque chose. Je m'en fous, j'avance tout seul. Maintenant, si ces youtubeurs voudraient qu'on soit associés, qu'on soit ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, je pense qu'il y a d'autres façons d'en parler que d'en parler en live. Moi, si je veux m'associer avec un youtubeur, eh ben je vais lui en parler en privé, quoi. Je pense que c'est la meilleure des façons. Après, je vais pas être méchant, mais c'est une drôle de façon de réfléchir quand même. Critiquer les autres sans en parler en face, c'est difficile quand même. Enfin bref, c'est pas grave. Moi, ça me touche pas. Ça me touche pas du tout. Pourquoi on est là? J'avais pas. Ouais, je sais même pas pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah oui, t'avais dit le cougar et on est revenu ici. Mais je sais pas, parce que je parle. «
Donc maintenant, je le fais l'appel aux youtubeurs, les youtubeurs français sur Red Dead Online, au lieu de se taper dessus, et je vais pas citer de nom parce que je m'en fous, c'est général, au lieu de se taper dessus, de se faire la guerre, de faire des vidéos à la putaclic pour celui qui va faire le plus de vues, autant qu'il y en ait un qui se spécialise dans quelque chose, l'autre dans autre chose et l'autre dans autre chose, et qu'on se partage les tâches, ça fera gagner du temps à tout le monde. Et pour la communauté de Red Dead, ils auraient une chaîne pour chaque chose différente. Et ils arrêteraient de se perdre à droite à gauche et d'aller toujours plus vite pour passer de l'info et des fois donner de l'info de merde. Au moins, je leur ai dit une bonne fois pour toutes, associons-nous. Qu'il y en ait un qui fasse de l'info, qu'il y en ait un qui fasse des localisations, qu'il y en ait un qui fasse du PVP, et que qu'on travaille pour une communauté qui joue à un jeu, qu'on ne soit pas là pour se faire la guerre, surtout pour gagner 60 balles par mois, les mecs. Arrêtez de... Si encore, ça vous rendait milliardaire, mais que ce soit Vince, Cazu ou moi, enfin, moi encore beaucoup moins que les deux autres, vous ne gagnez pas votre vie avec ça. Donc au lieu de vous battre... Autant s'associer. Voilà, ça c'était mon petit message à moi. Vous pourrez lui partager à 1 minute 52. 1h52. C'est une heure de plus avant. Une heure avant, c'était Oumtiti qui marquait un but. Pardon ? Ah oui, c'est positif, Oumtiti, au Covid. Allez, on va se faire la petite Jaja News du matin. C'est déjà l'heure de la Jaja News. Oui. Ah ouais. Ah ouais, mais je suis arrivé tard aussi. Non mais toi, demain, c'est une arche qui a traversé. Ah, il y a un arbre qui a traversé, hein, bah oui. Ouais. T'as vu ? Ils préviennent pas en plus. Mais voilà, pour finir cette parenthèse de youtubeur, moi je suis arrivé après les autres, donc j'ai regardé ce que faisaient les autres et je n'ai pas fait ce que faisaient les autres. Donc je me suis lancé dans les emplacements, dans ce qui me plaisait. Voilà, je ne vais pas aller faire de l'info. Par contre, si ceux qui font de l'info viennent sur mon terrain de jeu, parce que je ne sais pas pourquoi, ils font ce qu'ils veulent, donc moi à ce moment-là je ferai aussi de l'info. Mais c'est là où ça devient très con. Putain, je fais piquer un couvert là, mon bâtard. Oh, putain, tu me fais mettre un Peggy. C'est un boîte à violence direct. Tu m'as fait mettre un Peggy 18, Franck. En plus, c'est une. Putain. Dominator, bonjour à toi, comment tu vas? Tout à fait, Devil. Casse-toi, on te prend une flèche, toi. Bah, c'est pas me justifier, c'est que je trouve ça bête, c'est tout. C'est parce que je le vois ce qui se passe, hein, vous croyez pas, je regarde un peu. Bon. Donc c'est pour ça, je réponds juste à Waiwi, il y est pour rien en plus. Hein. Tu pourras répondre à Monsieur Cazu qu'au lieu de se plaindre en live, qu'il vienne m'en parler en privé déjà, et après on pourra en discuter. Les gens qui se plaignent, ça, j'aime pas ça. On dirait qu'on est en train de tricoter. Donc j'ai lancé le message officiellement. Je suis ouvert à tout avec n'importe quel youtubeur français sur Red Dead. Ça c'est l'interaction plaisir solitaire bien sûr. Toujours pareil. Tu vas débloquer au rang 20. J'en peux plus ce jeu, putain. Il est où mon Jaja? Ben, j'arrive, j'étais encore à Brandywine Drop, je sais pas ce que vous êtes. Ah, Emerald, je sais pas ce qu'on fait. Ah Emerald. Hein. Hello Kylian, bonjour à toi, comment ça va?
Il y aura une panthère légendaire, Lil Shax, oui. Panthère, cerf légendaire, ours légendaire. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du stop? Orignal légendaire. C'est les 8 que je connais. Et il doit en avoir plus parce que... Combien on a dit qu'il en manquait? 14, je crois. Moi, je les ai tous là et il en manque encore 14 non reconnus. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez fait tous les coyotes plus tous les légendaires d'Ariet et ceux de la carte, il reste 14 légendaires à venir. Et normalement, donc il doit avoir l'ours légendaire, donc 2. Il doit avoir 2 orignales légendaires. Il doit avoir 2 cerfs légendaires, 2 panthères légendaires. Et je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Normalement. C'est ça, Madame Nazar, elle est là, à Great Plains. Je vous fais voir vite fait. Elle est dans le coin, là. Ici, vers le jet de Great Plains. Par là. Sur cette route. Je ne sais plus c'est lequel, celui-là. C'est dans Provocation. C'est Provocation, d'ailleurs, je crois. Quelle tête. C'est la tête que tu fais après plaisir solitaire en fait. Oh putain. Bien joué Lil Shax. Ah, Jaja. Allez, après on va se faire le marquage. Parti. Allez, c'est la Jaja News du lundi matin, histoire de démarrer la semaine en beauté. Mon Jaja, en ce lundi matin, combien de lingots, combien de dollars? Ah bah aujourd'hui on en a 3344 lingots, 246 238 dollars. La petite danse du bonheur. Et c'est la Jaja News du lundi matin. Prenez-en, c'est gratuit, c'est gratos, c'est cadeau. Et merci beaucoup Extraviti pour ton don. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Encore un grand merci, un maximum de GG pour Extraviti, s'il vous plaît, dans le chat. Ça fait vraiment plaisir, ça paye le petit rosé piscine, voire deux rosé piscine là quand même. Hein. Merci beaucoup, 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 beaucoup à tous. Hein. Vraiment à tous. Et nous, on va se faire le petit marquage d'animaux. Et on se quittera juste après. Et merci Jaja pour la Jaja News, hein, bien sûr, hein, on le sait. Ce bonheur chaque matin qui fait plaisir. T'as entre 11 et 15 ans, Matt McFly. Ah. On va où là? Il y a deux trucs en mode explo à faire, c'est le, tu sais, marquage d'animaux. Ah yes. C'est bien ça, c'est cool. Ouais, tranquille. Ça mange pas de pain. Ça remplit la bouche. J'adore cette expression, ça mange pas de pain. Ça remplit la sacoche en plus. Oui, je pense aussi, Diogo, que ça va être à peu près les mêmes animaux que le mode histoire. De toute façon, ça va être les... tout ce qui est gros aux animaux. Hein. Là, je vais déjà crever, moi, d'entrée de jeu. Il attend pas, le mec, il attend pas. Bon, après, je me fais aucune idée sur les âges Madfly. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas.
reparti dans la bonne zone là. Jane qui demandait pour la disticothèque si elle pouvait mettre le masque parce qu'elle a pas bien sûr le masque de cochon. Non, je crois que c'est plutôt le masque de Zoro, je crois qu'elle disait. Tu n'as pas le masque de cochon, Jane? Ah, Jane. Et Rika non plus, mais bon, Rika lui de toute façon il était refusé à l'entrée donc. Alors ce qu'on va faire, les copains, les copines. Et ça je vous le promets comme Jen et Rika, là. Si vous n'avez pas d'animaux légendaires, ce qu'on va faire cette semaine avec la team, si on trouve un animal légendaire, qu'on a la peau et que vous êtes connectés, on vous invite pour que vous la récupériez. On fait comme ça. Franchement, moi ça me gêne pas. Oui mais si elle a pas acheté le métier, on pourra pas aller donner chez Gus. Si, il n'y a pas besoin de métier pour Gus. Ah ouais, Gus, tu l'as sans avoir le métier. Je l'ai pas endormi, lui. Ah, si. Il y a un légendaire. Oh non. Ça, on peut le faire. T'as pas besoin d'avoir le métier, Jen. Normalement, Gus, tu l'as sans le métier, non? Ah, peut-être pas, en fait. Ben non, c'est ça. Mais ça ah, va, si, elle si, a le cochon. Ah si, tu l'as sans le métier, parce que avant d'acheter le métier, en fait, tu rencontres Gus dans la vidéo qui te file sa carte de visite. Donc, tu débloques Gus sans avoir le métier, c'est sûr et certain. Enfin, je pense. Hein. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la cinématique, faut que t'ailles quand même à Strawberry. Tu rencontres Gus en premier qui te file sa carte de visite et après seulement t'as Harriet pour avoir les lingots. Donc si t'as la carte de visite de Gus, c'est que t'as accès au trappeur. Parce que le trappeur, ça n'a rien à voir avec Harriet. Hein. Au contraire, hein, c'est son ennemi juré. Regarde-y, Jen, quand même. Va à Strawberry, au truc d'Harriet, si tu n'y es pas allé. Tu laisses la cinématique, mais tu prends pas le métier. Tu l'achètes pas. Et je pense que ça va te débloquer, Gus. Essaye et tu nous diras. Tiens-nous au jus. Ah, mais elle peut pas les fabriquer, du coup, les vêtements. Oh là là, par contre, là, c'est moins bon pour ma vie. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je l'ai buté. Bon bah écoute, j'ai fini mon... Bon bah écoute, je sais pas ce que c'était, c'était un cougar. Bref, je l'ai buté, ça a validé mon défi, je sais pas ce qu'il foutait là, ce cougar. Bref, très bien, qu'est-ce que j'ai dit? T'inquiète pas, Jen, on va s'occuper de toi cette semaine. Tu vas voir, on va s'occuper de toi. T'hésites pas. On va pas te laisser à la porte non plus, tu le sais. Hein. Iron Anjo, je suis d'accord avec toi.
Yes. Et non, pas sur Xbox que sur PS4, je suis désolé, cette chat. Cheyenne, bonne journée à toi. J'ai rien foutu à celle-là. Qui c'est qui a pas appuyé sur continuer? C'est Kirikou. J'ai admiré son classement. Attends. Ah ouais, j'en profite. Ah mais celui-là, souvent je fais le top 1 celui-là. Oui bah vas-y, ça y est. Ouais ouais, non mais sérieux. C'est la rage. Ils vont tous, vous partez tous du même côté de la carte en vérité. Moi je vais tout le temps à l'opposé et choper les cartes. Dominator, bonne journée à toi. Les copains, les copines, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et on vous souhaite à tous un bon appétit, une très très bonne journée. On se donne rendez-vous demain matin, même lieu, même heure, même endroit, 9h30. 11h30, histoire de se dire bonjour tranquillement, dans la joie, la bonne humeur, autour d'un petit-déj. Un bon petit-déj, hein. On se refuse rien. C'était Jérôme de chez SMP Level avec Laura, Kirikou, Franck, Jaja, Dorian dans le chat, Amor qui est passé nous faire un petit coucou, et puis je qui travaille. Voilà, bref, toute la team. On vous souhaite encore à tous une très bonne journée. Si vous sortez, n'oubliez pas bien sûr de sortir couvert. La maladie revient en force, pensez à vous et pensez surtout aux autres. Et puis voilà, bonne journée à tous, à très bientôt, encore merci pour tout, à ciao, bye bye. Des bisous. Bonne journée à tout le monde. That's the way it is.
that's the way. That's the way it is. That's the way told me settle down, and with the moonlight as my guide and this feeling deep inside, I know now that I'm homeward bound. As I wander through the pines, the whisperings they tell of the many before me who tried and fell, seeking fortune and to glory days, looking for a place in this old world. Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been
desert roads, desert plains. I have seen so much pain. Cruel.